Dimanche 26 août, souvenons-nous, 68e anniversaire de la libération de Marseille. Vous savez que nos jeunes, nos anciens ont demandé à ce que le relais de la mémoire soit pris par les jeunes de Marseille. C'est donc aujourd'hui à une jeune fille des Scouts de France, Rose Mazary, que nous avons demandé de lire l'historique de la libération de Marseille. Historique de la libération de Marseille. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Le 15 août, ils ouvrent un second front sur le territoire national avec le débarquement en Provence entre Cavalaire et Saint-Raphaël de la 7e armée américaine composée majoritairement de troupes françaises. Le 19 août, l'armée A, forte de 125 000 hommes, qui s'est battue en 1943 et 1944 sur le front d'Italie sous les ordres du général Alphonse Juin, et l'armée B, aux ordres du général Jean de Lartre de Tassigny, opèrent leur jonction sur les côtes de Provence. Elles forment la première armée française, forte de 250 000 hommes, placée sous les ordres du général de Lattre de Tassigny, et engagent les combats pour la libération de Marseille. Deux jours plus tard, la 3e division d'infanterie algérienne, commandée par le général Joseph de Gualard de Montsaber, achève l'isolement de Toulon et pousse des reconnaissances jusqu'à Aubagne, qui tombe auprès de durs combats. À Marseille, dès le 19 août, les résistants se sont soulevés. Maîtres de la préfecture, ils gênent les communications ennemies dans la ville. Mais les Allemands sont nombreux et bien armés. Ils pourraient, la première surprise passée, anéantir les combattants marseillais. Ceux-ci lancent un appel à l'aide.
Le colonel Chapuis, commandant le 7e régiment de tirailleurs algériens, prend l'initiative d'exploiter une situation qu'il juge favorable et pénètre dans Marseille en venant d'Allo avec l'accord du général de Montsabert. Pendant ce temps, le 3e régiment de tirailleurs algériens arrive vers le Prado et contourne le Roucas Blanc, après des combats violents jusqu'au pied de la basilique, vers les grottes du boulevard Télène, où est dissimulé un très fort élément allemand mêlé à la population sous-abri. Les Allemands sont partout dans la ville, mais occupent essentiellement les forts du Vieux-Port et la colline de Notre-Dame de la Garde, où se trouvent de nombreux emplacements de combat et des abris. Après plusieurs tentatives, le commandant René Valentin, commandant le 2e bataillon du 3e régiment de tirailleurs algériens, obtint la reddition de l'ensemble. Il dirige les prisonniers, sous bonne escorte, vers le camp de Sainte-Marthe. Le 23 août au matin, les premiers chars arrivent sur la Canebière. La mairie et l'hôtel de commandement tombent aux mains des tirailleurs. Le général de Montsabert se porte lui-même au cœur de la ville et tente en vain d'obtenir la reddition de la garnison. Il décide, d'une part, de réduire les résistances urbaines et notamment de s'emparer de la colline de Notre-Dame de la Garde, et d'autre part, d'isoler Marseille. Le 24 août au matin, ces opérations s'engagent. Tandis que les groupements de tabord marocains commandés par le général Guillaume entreprennent le nettoyage du quartier du port et du sud de la ville, les deux bataillons des 7e et 3e régiments du tirailleur algérien, aux ordres du colonel de Linares, soutenus par deux escadrons du 2e cuirassier, débutent leur progression. Le soir, la manœuvre d'encerclement est achevée. Le 25 août, les tirailleurs algériens et les cuirassiers, guidés par des résistants, s'infiltrent par les ruelles, les traverses, les jardins et les couverts. Vers midi, ils font face à Notre-Dame de la Garde. À 13h15, commence un assaut au cours duquel les chars du 2e régiment de cuirassiers jouent un rôle déterminant, en particulier les chars Jeanne d'Arc et Jourdan. La résistance allemande sera réduite quelques heures plus tard. Le 28 août au soir, ayant perdu un de ses principaux points d'appui, le général Schaffer, commandant de la garnison allemande, capitule au terme d'une difficile négociation dans laquelle l'officier de renseignement du 7e régiment de tirailleurs algériens joue un rôle essentiel. Prêtre d'origine alsacienne, il cherchait à épargner des vies humaines. Le lendemain, les troupes françaises défilent sur le Vieux-Port, renforcées par des groupes résistants rassemblés en présence du ministre de la Guerre et du général Delattre Tassigny. Marseille a été libérée 25 jours plus tôt que ne le prévoyait le haut commandement allié. Dès la mi-septembre, le port, malgré les destructions, peut accueillir les premiers navires et permet ainsi le ravitaillement des troupes qui poursuivent la campagne de France jusqu'en 1945. Aujourd'hui, le char Jeanne d'Arc, touché au cours de l'assaut, est toujours face à Notre-Dame de la Garde. Son équipage ayant été entièrement tué, il y reste le symbole des sacrifices consentis par les hommes de la 3e division d'infanterie algérienne pour la libération de Marseille. Sur l'esplanade de la basilique, une stèle rappelle également la mémoire du commandant René Valentin qui, après la Tunisie en 1943, Cassino au printemps 1945, puis Notre-Dame de la Garde, est tombé glorieusement quelques jours après le 5 septembre à la tête de son 2e bataillon à proximité de Pontarlier. Quel symbole involontaire que ce bourdon de Notre-Dame de la Garde résonnant au même moment où on lit l'historique de la libération de Marseille. J'appelle maintenant notre ami Jules Sébastianelli pour la lecture de la citation décernée à la ville de Marseille. Venez, Jules. Citation, décision numéro 94. Vu le décret du 7 septembre 1948 relatif aux attributions du ministre de la Défense nationale et du secrétaire d'État aux forces armées. Sur la proposition du secrétaire d'État aux forces armées guerre, le ministre de la Défense nationale cite à l'ordre de l'armée Marseille, vaillante cité qui subit du fait de sa position
stratégique. Les coups désormais alliés et les durs sévices de l'ennemi. 7 bombardements aériens, les plus meurtriers. 8000 habitants tués et blessés. De nombreux immeubles détruits. Ces installations portuaires ravagées. Son quartier de vieux port rasé. Mutilé dans ses œuvres vives, Marseille supporte avec courage son tragique et glorieux destin et refuse fièrement de s'incliner devant la volonté de l'ennemi allemand. 3054 de ses habitants mourront en déportation. À l'heure où la nation lance l'appel aux armes, 20 000 citoyens des forces de la résistance attaquent, harcèlent, démoralisent l'occupant, lui infligent des pertes sensibles et facilitent l'action offensive et victorieuse de la première armée française. Dans son élan patriotique, Marseille participe à la libération nationale du territoire en levant le régiment, la Marseillaise, qui se joint lui aussi aux forces françaises de débarquement. Les volontaires de 1792, les mobiles de 1870-1871, les forces françaises de l'intérieur de 1944 sont donc les dignes fils de l'illustre cité phocéenne qui a bien mérité de la patrie. Et cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec Panne. Faite à Paris, le 11 novembre 1948, le ministre de la Défense nationale signé Ramadier et le secrétaire d'État aux forces armées signé Max Lejeune. Merci. Jules, qui a connu cette période, Jules Sébastien Elly, puisqu'il a... Il est membre du comité d'action de la résistance et il était présent à Marseille à cette période-là, comme beaucoup d'autres ici aujourd'hui. Après ces lectures, ces historiques émouvants, nous écoutons le chant des partisans. Ici, chacun sait.
C'est maintenant l'instant solennel du dépôt de gerbes devant le mémorial. La première gerbe sera déposée par M. Gilles Barsac, secrétaire général pour les affaires régionales, représentant aujourd'hui M. Hugues Parent, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Monsieur José Allegrini, adjoint au maire de Marseille, représentant aujourd'hui Monsieur Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, sénateur des Bouches-du-Rhône. Monsieur le député Avi Assouli, conseiller régional représentant aujourd'hui Monsieur Michel Vauzel, député des Bouches-du-Rhône et président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Monsieur René Olmeta, vice-président du Conseil général, représentant aujourd'hui Monsieur Jean-Noël Guérini, sénateur des Bouches-du-Rhône et président du Conseil général. Monsieur Miloud Boilem, conseiller communautaire, représentant aujourd'hui Monsieur Caselli, président de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole. Par Monsieur le général de division François Estrade, gouverneur militaire de Marseille, officier général de la zone de défense et de sécurité sud. Par Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille. Monsieur le Président de l'Amicale des Anciens du 12e Régiment de Cuirassiers, accompagné du délégué du Souvenir Français.
président de la Fondation Maréchal Delattre de Tassigny avec l'association Rhin et Danube. Madame la présidente du comité de Marseille du souvenir français. Monsieur le Président du Comité d'Action de la Résistance. Au nom du monde combattant, par M. Francis Agostini, président du comité de coordination des associations d'anciens combattants et de victimes de guerre. Il est accompagné par les jeunes représentants du scoutisme français. Reposez.
Ah ! Repos ! Cette cérémonie va s'achever par un geste symbolique. Les autorités qui ont déposé des gerbes vont aller saluer les porte-drapeaux, toujours fidèles à nos cérémonies. Je vous demande de ne pas quitter vos emplacements, s'il vous plaît. Conservez vos emplacements jusqu'au départ des autorités. À l'issue de cette cérémonie, une messe sera célébrée par Monseigneur l'Archevêque en la basilique de Notre-Dame de la Garde, messe à laquelle, bien sûr, vous êtes tous invités. Au passage, sur le parvis de Notre-Dame de la Garde, vous pourrez vous incliner devant la plaque du commandant Valentin, dont l'historique a été rappelé tout à l'heure. Donc pour l'instant, on ne quitte pas les lieux. Merci à tous de votre présence en ce dimanche. Ça va ? Les autorités vont saluer le chef du détachement armé qui nous a présenté les armes, puis rejoindront ensuite le site de la basilique. C'est millimètre là au bout. Il va y avoir
capitaine de vaisseau, président de, du Souvenir français et de la SNSM. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et on va essayer de faire quelque chose avec les scouts. Voilà. On a déjà commencé d'ailleurs. Ça fait plus d'un an et demi, c'est presque la deuxième année. Et là, c'est une conclusion un petit peu avec la lecture du message du général Roland, fait par Rose tout à l'heure. On va essayer d'en faire davantage. Bon, et c'est important qu'on marque en plus de Rachid. Salut, oui, ça va, c'est vous l'année dernière. Bonjour. Kaina. Et Cyril. Et Cyril. Tu as piqué la petite. Ça va, ça s'est bien passé. Ouais. Bravo. Mademoiselle n'avait jamais serré autant de mains, d'étoilées, de galonnées et d'hommes politiques. Ça marrant quand même. Hein. Tu vas plus te laver les mains pendant 15 minutes. Tu as serré les mains de combien de députés? Là, il y avait au moins deux députés. Hein. Et il y avait des. Oui. Le roi Atta, mais tu connais le roi Atta. J'ai contre sa fille. Le roi Atta.